Et bonjour à tous, c'est Devil, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle saison, la saison 7 de Project Zomboid. Alors on va partir pour un apocalypse normal et en mode, j'ai juste mis Player on Map pour avoir la petite minimap, j'aime bien, je m'y suis fait. Et au final c'est pas un luxe extrême. Et True Action Dancing, c'est juste pour avoir les petites dents, j'ai trouvé ça sympa. Donc c'est parti, spawn, alors hop là. On va spawn à West Point et ici on va renommer la sauvegarde en mode, comme ça je vais le savoir. Mode Louisville, parce que l'autre partie je l'ai gardée pour moi, ça m'embête vraiment de la supprimer. Donc West Point, pourquoi tu ne veux pas? C'est l'espace peut-être. Voilà. Donc West Point, pour les traits on va partir sur un cambrioleur que j'ai préparé, mais surpoids, on va l'enlever parce qu'elle avait beaucoup de mal. À prendre du poids vers la fin. On va rester en grande soif, régénération lente, fumeur, lecteur lent, myope. À droite, soba d'acier, résistant, gymnase organisé. 6 points, on peut enlever. On peut enlever organisé, voilà, comme ça on part à 0 points. Et on a à peu près les mêmes traits qu'avait Maud. Donc suivant. Qu'il est beau! Qu'il est beau Sydney! Mais nous, on a préparé notre petite Maud. Notre petite Maud Ratliff. On repart avec elle, et c'est parti. On va commencer l'aventure comme ça, déjà avec un zombie, notre premier zombie attaché dans le dos. Et voilà, Maud est de retour, Maud. Enfiler, sans la capuche. Et le petit bandeau, allez, enfile le bandeau, qu'est-ce que ça donne avec le petit bandeau? Ouais, c'est nul. Mise formelle, bandeau. Hop. Fabriquer, déchirer, placer, enfiler. Non, on va continuer comme ça. Ok. Donc on va juste regarder où est-ce qu'on a spawn. Dans West Point. Ok, c'est les quartiers au nord de la ville. Allez. Je fatigue pas trop parce qu'on a toute la montée jusqu'à Louisville à faire. Bien de trouver un véhicule très rapidement par contre là. Je veux un véhicule et des armes. Et pas d'alarme, s'il te plaît. Là tu me fermes ça. Une autre petite poêle, allez, on va se battre à la poêle. Ça, on le prend. Ici, rien d'intéressant. Ici, on va juste prendre ça et ça. Congélateur, il n'y a rien. Niveau poids, il fait combien? 80 kg, c'est parfait. Livre VHS, non. Un zombie dehors. Ouais, il est juste devant la porte. Devant la fenêtre, pardon. Ici, bandage, on peut prendre... On va l'accueillir tout de suite avant qu'il rameute tout le monde. Elle est très forte Maud, hein. Voilà, ferme-moi ça. Est-ce qu'ils ont pas une montre? Montre, parfait. Enfiler, poignée gauche. Porte-clé? Pourquoi porte-clé? Il y a une clé dedans. Et bah allons-y. Merci pour ta clé. On va continuer à descendre. Et là, il faut vraiment qu'on les élimine au fur et à mesure parce que ça va vraiment être très très dur sinon. Là, il n'y a rien. Jean. Enfile-moi ce jean. Il a l'air mieux que le tien. Là, ici encore. Il nous faudrait une voiture rapidement là. Iso, pantalon, non. La tire du monde. Hein. Allez. Impeccable.
Chaussettes. Non, merci, j'en veux pas. Là, ici. Il nous a pas vu. Parfait, ça. Ah, il y a un petit manteau. Oh. Une petite veste. Allez, on l'enfile de suite. Et là, rien d'intéressant. Elle a soif déjà. Hop là, on rentre. On a vu qu'il y avait personne derrière. Allez, bois un petit coup vite fait. Hop, boire. Une marmite, ça m'embête de remplir la marmite d'eau. Là, on n'a rien. Faudrait trouver une bouteille aussi. Il y a du monde derrière. Là. Bonjour. Au revoir. Non, tu n'as rien d'intéressant. Les toilettes. Vitamines, on peut prendre. On va aller voir à l'étage. Là aussi, il y a un petit placard. Boîte à outils, une lampe torche. On va la prendre, ça va être utile. Hop. À où ? Elle est belle avec sa poêle. Elle qui était si bien armée. Petit stylo magazine. Non. Drap antidouleur. Pourquoi pas lac. Non, elle n'a pas envie de se coiffer. Oreiller. Non. Oh, une petite valise. Bon là en secondaire ça peut dépanner. Et on va... Ah il y a une autre petite pièce là encore. Lunettes de ski, chaussures, non rien. Rien d'intéressant. Il nous faudrait des petits garages. Il y a un garage juste en bas. On va aller voir. On a de la visite, il y a un véhicule en bas qui est bien abîmé. Oh des clopes. Oh des clopes, je prends. Là, c'est fermé, évidemment. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Viens là mon petit. On les massacre, hein, franchement. Ferme-moi ça directement. Voilà, un petit générateur. On va pas s'embêter avec ça tout de suite. Et ben voilà, pied de biche, bêche, tout ça on va prendre, c'est des armes. Par contre on n'a pas de sac. Et tu vas attacher ça côté gauche. Et puis ça on peut la jeter. Ça tu peux manger. Et voilà, tu prends ça. Là-dedans... Ouais, non. Là-dedans, il n'y a rien. Notre premier vrai combat. Ah ah. Il y a plusieurs zombies. Comment je vais le gérer, celui-ci? Ça va. Elle a un ouvre-lettre sur elle. On le veut pas, hein. On s'en fout clairement. Allez, faut mourir. Eh ben c'est cool. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Slip tout ça. Non merci, je ne veux pas. Il me faudrait un petit briquet aussi. Il faudrait un véhicule. Il y a un gros groupe là. Il y a deux véhicules que j'irais bien voir. Et après, ça va être une fois le véhicule ramassé. Oh, il y en a beaucoup. Oh, il y en a beaucoup. Ce que tu peux faire, c'est attacher ça dans le dos. Tes poils, tu me les fous par terre.
La mallette, tu me la mets par terre aussi, voilà. Et ne vous relevez pas. Parfait, c'est bien ça. Donc, faut que je fouille aussi un peu plus les... Comment ça s'appelle? Les boîtes aux lettres. Parce que c'est vrai que je les fouillais jamais. Ça, faudrait qu'on le démonte par la suite pour avoir une autre pile. Et la soif. Déjà. Lui, voilà, il est détruit. On va juste aller fouiller en bas. Là-dedans. Et ensuite, dans cette maison-là, me paraît bien plus grande. Avec un peu de chance. Par contre, il y a du zombie à l'intérieur. Voilà, c'est sorti. Avec un peu de chance, on peut trouver... une bouteille. Ça vient de partout, là. Carte de Rosewood. Allez, prends. Fais-moi le ménage. Dépêche-toi, Maud, s'il te plaît. Et là, c'est pas du tout la même aventure. Il va y avoir beaucoup plus de galères. Allez, parce que tu vas t'essouffler rapidement, là. Pour l'instant, ça va. Là, il n'y a personne. Un autre générateur. Il y a du monde en bas. Voilà, je l'ai entendu. Ok, un groupe de 4 comme ça, 5, et ça va déjà être un petit peu plus compliqué. Allez, il faut qu'on arrive à les gérer. On va réussir à les gérer. Voilà, fais-les tomber, c'est bien ce que tu fais là. Mais c'est quoi tout ça? Ils sont beaucoup. Allez, ça tombe gentiment. Non mais elle veut même pas fermer? S'il te plaît, Maud? Voilà, faut les avoir au fur et à mesure. Par contre, elle est assoiffée là. On va les laisser rentrer dedans. Et nous, on va fuir. Normalement, ils vont être occupés là-haut. Il y en a deux qui arrivent là. Alors, c'est un départ très très compliqué. Ouais, ça arrive. On va les tuer au fur et à mesure quand même. Parce que je veux pas avoir une horde. Tombe tout de suite, s'il te plaît. Voilà. Il va falloir qu'on se repose un peu aussi. Après. Donc le groupe est resté là-haut dans la maison. Ça, c'est parfait par contre. Il nous faudrait des bêta bloquants. Il y a quelqu'un à l'intérieur qui tape là. Ils sont deux. Dépêche-toi. Trouve une arme. Extincteur, bidon. J'allume aux barres de fer. Hop, une seule. Et on va juste prendre le jerrycan. Voilà, on est un tout petit peu lourd. Mais ça va encore. Retire-moi ça, il y a quelqu'un en bas. Hop, tu bois un petit coup vite fait. Non, 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 non. Une bouteille, s'il vous plaît. N'importe quoi, une petite bouteille, ça me suffirait. Je t'ai entendu.
Une bière, à la limite, ça déshydrate. Yaourt, on va prendre. Où ça on prend? Allez. Il n'y a pas de bouteille, on est vraiment peu fourni. Mange chat. Ça aussi, ça diminue la soif. Après, tu vas reboire un petit coup. Elle s'en sort très très bien pour l'instant. Bon, on n'a pas fait un gros carnage. 34 zombies déjà, ça va. Ici, électricité. Premier secours. On va aller voir là-haut. Et on peut avoir un petit sac à dos aussi. Par contre, ça serait cool. Magazine. Là, il n'y a rien. Oh, je rentre comme ça, moi. Allez, des petites bottes qu'on enfile de suite. Et la longue veste, on va l'enfiler aussi. Hop là, les chaussures par terre. Ça par terre, ça par terre. Voilà. Ça va déjà être un petit peu mieux. Niveau protection. Donc ici. Oh, un fusil à pompe. 12. Une boîte de mune. Pantalon bikini. Ouais. Et là, gilet à motif losange. Non, merci. Non, mais ça va, quoi. Ici, rien, vitamine. On n'a pas de bouteille. On n'a pas de bouteille. On va aller voir dans cette maison-là qu'on voulait faire avant. Et puis après, si on n'a pas, bah, on va continuer les petites maisons à côté. Voilà, je t'ai vu. Vous êtes deux. Tomber là. Voilà. Voilà. Parfait, ça se passe bien. Ça se passe très très bien. Ça on va la prendre, on va la découvrir aussi. Est-ce qu'on peut rentrer ici? On ne peut pas rentrer ici. Allez, t'es un cambrioleur. Tu peux rentrer facilement dans les maisons. Tu es chez toi ici. Elle a encore soif. Cuisine, tout de suite. Au cas où, si ça part en cacahuète. Hop, tu bois. Faudrait une bouteille, s'il te plaît, une bouteille. S'il te plaît. Haricots, biscuits, il y a tout sauf des bouteilles. Là, t'as pas mis une bouteille à laver, non? Infect, là. Ah! Nickel. Est-ce qu'on va faire... Hop, on va la vider par terre. Verser par terre. Et on va la remplir. Alors déjà, on peut aller un petit peu plus loin. Ça, c'est une bonne chose. Niveau arme. On va pouvoir se débrouiller avec le peu qu'on a. On est, pardon. Regarde la carte. Elle est très belle. Et là, regarde la carte. Elle est très belle. Tu me remets ça par terre. Ça, tu peux ouvrir les deux. Non, t'avais besoin de rien. J'aurais pu ouvrir après. Ça, c'est prêt à casser, par contre. Et bah, vu qu'elle, elle est prête à casser, on va l'échanger avec l'autre. Voilà, et on va se battre avec. Ça, ça nous fera un petit peu de place après. Ici, c'est la salle de bain, je crois. Ouais, à part deux draps, il n'y a rien d'intéressant. On va fouiller à l'étage. En haut que ça tape, hein. Et l'eau, ah, c'est juste à côté que ça tape, normalement. Jupe. On va le laisser taper pour l'instant. Oh! Bah non.
Pantalon de drap, c'est tout. Une blague. Nous n'avons pas de chance. Tournevis. Allez, hop. On avait l'autre truc à démonter. Démonter ça, voilà. Et alors ça, on s'en fiche. Ça n'a pas donné de pile, l'appareil photo. Zut. Il est juste en haut, on l'a vu, il est tout seul. Stylo, non. Ah mais je t'ai entendu, toi. Une clé, merci pour ta clé. Pansement, hop. On arrête de prendre des trucs, hein, parce que là... Après, j'ai envie de dire, de toute façon, aussi, il y avait le... Non, on l'a jeté, c'est bon. La mallette avec le fusil. Enfin, le pistolet. VHS, livre, ça, est-ce qu'on peut le démonter? Ouais, mais ça va pas donner de pile, j'aurais dû regarder avant. Ça ne donne pas de pile. De pile, une seule, ça le fera jamais. Un autre petit garage qu'on va pouvoir faire ici aussi. Je fais pas le port, la grande porte parce que dans tous les cas elle va être fermée. Je m'en doutais. Je m'en doutais que tu allais faire ça. Tu m'as fait peur par contre. Allez, casse. Carte de Louisville. Impeccable. Ne l'avait pas. Retire le verre brisé. Plaque, pas intéressant. La molette colle à bois. Pff, on va pas se charger avec ça pour l'instant. Ça, ça fait une arme, mais elle est trop abîmée pour se charger. Enfin, on va pas se charger pour rien. Ok. Tournevis tuyau en métal. Après, tuyau en métal, il est en très bon état. On peut la jeter. Tuyau en métal attaché. On va pas l'attacher, on va le mettre là directement. Planche, corde. Ça fait rien en dégâts, ça. On va pas prendre ça. Là, il n'y a personne pour l'instant. Je ne peux pas l'ouvrir. Très bien, ici. Parfait. Va dans la salle de bain directement. Moi, ça me va. Bois un petit coup. Et re-remplis ta petite bouteille de soda. Là, il n'y a personne. Un petit bandana de tête. Vas-y, enfile. Regarde-moi ça, comment t'es jolie. Elle est jolie, hein. La survivante. Oh, il y a à manger, là. Il y a de la viande et tout. Je ne sais pas où ils sont. Ah, ils sont là-haut. Allez, vite. Il y en a un autre qui arrive. Voilà, ferme-moi ça, on va se dépêcher un petit peu. Il y a une autre bouteille sur la table qu'on prend de suite, elle est remplie d'eau en plus. Petit couteau de cuisine, on va pouvoir se faire des spires. J'ai vu filer de... Allez. De la nourriture fraîche. Absolument qu'on arrête de se charger là. Ils sont rentrés par où? Ils sont rentrés par là. Donc assez ici. Parfait ça. Elle a la bonne technique. La bonne technique de survie. On va tout de suite aller voir là-haut. Par contre ça tape. Il y en a un autre en bas, faut qu'on fasse attention à ça.
juste là. Attends, t'avais pas cassé la clé là, sérieusement? Elle est sacrément coriace, hein. Un petit sac, non? Un jean, culotte. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec une culotte, sérieusement? Salle de bain, on va pas trouver notre bonheur. Là, un bureau. Maintenant, on trouve un petit peu plus de trucs là-dedans, mais... agrafe bouteille de bourbon, journal, dadadi, dadada. Je ne suis pas intéressé. Il n'y avait pas de fumeurs non plus dans ce quartier. Non, c'était que des gens bien. Moi, je dis pas que les fumeurs sont des gens mauvais, hein. Loin de là, j'ai été fumeur aussi. Attention, ne dites pas ce que j'ai pas dit. Allez hop, on fuit. Il y a encore une grande maison, il y a beaucoup de Z là-haut par contre. On pourrait pas en attirer quelques-uns, je vais en attirer trois d'un coup, ça m'embête un peu ça. La bière, tu peux me l'acheter. Et ce qu'on va faire, c'est que le jerrycan, on va le mettre là. Avec le pied de biche, voilà. Oh là là, comment ils encerclent déjà. Oh, c'était parfait ça. The move. C'est bien Maud. Voilà. Impeccable. Je vais être fier de toi Maud. Oh bah ils sont revenus encore. Alors ce qu'on va faire c'est sur la carte... On va repérer où nous sommes, voilà, et on va juste mettre une... Oh, j'ai pas pris de crayon, ok. Pas grave, je vais le mettre après. Je pensais en avoir pris un. Allez. Venez là, mes amis. Je te vois là en bas. On va prendre toi avec les cheveux longs. T'as une meilleure chevelure que moi. Toi, t'es moche avec ta robe. En plus, t'es blessé à la main. Toujours pas de briquet. Ah, toi. T'as même manteau que moi, toi. Ah, c'est le même manteau. Carte annotée, on va la prendre. Merci beaucoup pour ta carte. 20h, légèrement fatigué. On va se poser dans cette maison-là, je pense. Si on n'est pas pris par surprise, s'il n'y a pas de mauvaise surprise non plus à l'intérieur. Non, je pense qu'on a nettoyé assez de maisons vers le bas. Pour pouvoir se poser. En plus, il y a un étage là. C'est fermé. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Toujours. À la recherche... Du bonheur, boire, remplir la bouteille. On prendra notre petite touche aussi avant d'aller se coucher. Ah, ouais mais non, on a deux bouteilles, c'est vrai, deux bouteilles. Ça donne la même quantité, mais c'est moins lourd, donc on va garder ça. Il y a à manger ici, ce qu'on va faire, on va en profiter. On va allumer. On va mettre ça à cuire. Ok, niveau boîte. Non, non, couteau, ok. Une petite pomme. Allez, mange-moi la petite pomme. Et niveau poids. Elle perd du poids? Ouais, c'est toujours les mêmes traits, hein, c'est incroyable. Elle est incroyable, Maud. Elle est vraiment incroyable. Pour ça. Le temps que ça cuise, on va aller à l'étage. Voir si on n'a pas des amis à l'étage de la visite. Alors ça c'est une chambre, non c'est un bureau, un briquet, un petit crayon. Et bah comme ça on peut faire tout de suite ce que je voulais faire. Ça on a fouillé. Voilà, comme ça on sait déjà que tout ça c'est fouillé. On n'aura pas à y retourner ensuite.
Pistolet, mouchoir. Non, merci, tu n'es pas malade encore. J'aimerais avoir un sac à dos, par contre. Un parapluie, jupe. Oh là 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 là. Une clé anglaise, ouais, y a rien d'intéressant. On va récupérer notre repas. Il est cuit. Parfait, on éteint. Hop là. On remonte dans la salle de bain, on prend notre petite douche, on mange un peu et on se couche. Sachant qu'elle est légèrement fatiguée, ça devrait le faire. Elle devrait pas se lever trop tard. Alors, boire, remplir, lave-toi et lave tout ce qui est équipé pour redevenir joli. Voilà, comme tu l'as été au tout début, c'est parfait. C'est parfait, parfait. Et la soupe, qu'est-ce que tu en as fait? Elle est là. Alors, la soupe, dépression, soif, nanana, boire. Bois tout! À ta santé. Voilà, alors là, elle est rassasiée. Et on va dormir dans cette chambre-là. Parce qu'elle est rose, simplement. Ah, il y a une petite porte, là. Petite salle de bain privative. C'est joli, c'est beau. Il n'y a pas de bêta bloquant, par contre. Non, il n'y a pas de bêta bloquant. Elle risque de se réveiller en pleine nuit, par contre, parce qu'elle n'a pas fumé. La carte de Louisville. On va la regarder. Ok, c'est le nord. Le nord-ouest, plus précisément. Regardez la carte. Ah, Louisville. Bah voilà. Carte annotée de Louisville. Juste en bas, on a maison du fou au pistolet. Rip, le fou du au pistolet. Il est mort ici, d'accord. Bah ça, c'est l'entrée de Louisville. Normalement, on y arrive. Alors, si je raconte pas de bêtises, par là. Je crois. Là ou là, je sais plus. Je ne sais plus. On va essayer de garder cette carte-là au moins. Et là, on va faire un petit dodo. Allez. 10h40, ça va. Et personne, j'ai entendu aucun bruit. Oh, il y a du monde là-haut. Que je ferais bien, par contre. Oh là ! Ouh, il m'a fait trop peur. Oh là 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 là, il m'a fait trop peur. Marteau, ça casse moins vite, ça, je crois. Mais là, ils sont tellement abîmés. Allez, enfile-moi le casque. Pour être un petit peu plus protégé. Oh, j'ai le cœur qui palpite. Torche, on va juste enlever la pile. Voilà. Oh là 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 là. Pas tout ça, pas tout ça, pas tout ça. On va repasser par la maison. Oh, j'avais pas ouvert. Allez, t'as le temps de passer si tu te dépêches un peu. Voilà, ils nous ont pas vu, on va descendre gentiment. Peut-être en bas. On va essayer de passer là déjà. Il y a déjà un cadavre. Mais il y a zéro fumeur, c'est incroyable. Ça me pénalise tellement.
plaît. Ok, ça a cassé. C'est ce que je voulais, mais j'aurais voulu un petit peu plus tôt, par contre. On est dans une mauvaise posture, déjà. Allez. Tiens le coup, Maud. Ne recule pas trop. Bah, c'est parfait, elle se défend très très bien, là. On va juste casser... jeter ce qui est cassé. Attaché dans le dos. Ça, c'est cassé. Allez, c'est cassé, tu peux le mettre par terre, voilà. Et maintenant, il faut regarder les cadavres. Éventuellement, un briquet. Non, toujours pas. Toujours pas de briquet. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que je fume. Allez, il y en a deux en bas. Trois. On peut les faire. On vient de se faire un grand groupe, là. Et là, au tuyau, ça va pas être la même histoire. Encore que ça va. Elle se débrouille pas mal du tout. Là, il n'y a rien. On avait regardé ici. Allez. Oh, mais non. Marteau. L'état, ça va à peu près. La molette, ça fait une arme en plus. On va équiper le marteau en côté gauche. T'as entendu, mon loulou. Meurs. Ah, toi, t'as une clé, par contre. Là, en bas. Viens là, tu m'as vu. Ok. Dans cette maison... Ah, ça arrive. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui fumait, les gars, s'il vous plaît, non? Personne n'aurait du feu. S'il vous plaît. Bonjour. Auriez-vous du feu, s'il vous plaît? Ouais. Il ne veut pas. Il en a pas. Oh, pas de briquet, pas d'allumettes, c'est incroyable. Dans les cuisines, il n'y a personne. Tout est, toutes les plaques sont électriques, ce n'est pas des gazinières. Au sûr. Là, la salle de bain, on va refaire le plein. Boire, remplir. Là, ça va être que de la vaisselle, voilà. Salle à manger. J'aime bien la disposition de la maison, par contre, là. À mort, tasse. Allez, paquet de chips, on peut prendre, ça pèse de rien. Bouteille d'eau, titatititata. Oh, il n'y a rien encore. On va devoir patienter pour fumer, mode. Déchirer. À l'étage. Sait-on jamais, peut-être. Un sac à dos, éventuellement. Toujours pas. Pas dans la salle de bain, hein. Mais bon. Ah, une... Ouais, pff, elle est abîmée. Elle est abîmée, mais ça peut aider déjà. C'est mieux que rien. Pantalon. Il n'y avait aucun écolier là-dedans, là. D'ailleurs. En bas. Mouchoir. Personne triste. Un petit garage en bas. Il y a une personne là. Hey, psst, viens voir papa. Viens papa, j'ai donné un truc. Ok, il n'y a rien.
Là, c'est fermé. Bizarrement, c'est fermé. Y a pas de fenêtre. Pas un zombie. Je ne sais pas où. En bas, là-bas, voilà. Derrière nous aussi. Allez. Toi, tu me touches surtout pas. Auto, je t'ai pas entendu par contre. Cet enchaînement. Eh bah dis donc. Mais tout ça pour pas de briquet. Ah, c'est bien ça. Petite maison barricadée. Allez vite, débarricade-moi ça. Nickel. Alors par contre, ce que tu vas faire... Là, tu vas faire vite fabriquer une lance. Voilà, c'est une arme en plus. Et on va faire... Dans ma tête, j'ai pensé pas une alarme, s'il te plaît. Ça a l'air calme. Dis-moi que tu avais des armes et que tu avais un sac à dos. S'il te plaît. Là, c'est barricadé. Là, c'est quoi? Le petit placard. Oh non, mais je veux pas des armes comme ça. Je veux des machettes, je veux des trucs qui coupent, quoi. Un briquet aussi, non? Ou des allumettes? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Oh là 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 là. Il y a plein de trucs, mais on n'a pas de sac à dos. On peut pas les prendre. Un petit sac à dos, s'il te plaît. Un petit sac à dos. Tape en bas, j'ai l'impression qu'ils sont deux couteaux de chasse, on va juste en prendre un. Ah, il y a des marteaux aussi. Ils sont peut-être en meilleur état que le mien. Marteau. Where is my marteau? Bah oui. Voilà. On va l'attacher de suite. Ouais, ça on peut enlever. On a une spire, on a un couteau de chasse maintenant, couteau de cuisine, on peut enlever aussi. Vite, 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 vite. Un marteau. Un marteau. Je le vois pas. Il est là. Attaché côté gauche. Et donc c'est à côté que ça tape. Le rouge, je vais juste prendre le stylo rouge à la place du bleu parce que je faut faire le rouge quoi, simplement. Oh, un petit casque militaire qu'on enfile de suite. Casque de hockey, non. Et bah tu vois, je pensais qu'ils étaient deux là-dedans, mais non, il n'était pas deux, il était seul. Bon, je suis déçu, il n'y a pas de sac à dos. Il n'y a rien de tout ça, quoi. Après... Est-ce qu'on pourrait pas... Niveau dégâts, c'est moyen. Ouais, il y a plus de dégâts avec l'autre, donc je vais faire ça.
un 7. Un 5. Ouais, c'est un tout petit peu plus lourd. Mais ça vaut le coup. Par contre, j'ai pas pris une en bon état, je pense. Ouais, voilà. On va prendre celle qui est en meilleur état. On va continuer d'avancer un petit peu, mais je pense qu'on va garder pied à terre ici. C'est un quartier relativement calme. On va juste tuer ces zombies-là. Alors, on en a gros un. On va attendre un peu. Connaissance automobile. Modèle standard. Allons-y. Meurs, meurs, méchant. J'adore cette action. Y'a quelqu'un d'autre? Il y en a deux. On va peut-être pas jouer, hein. Si. Si, on s'est fait au couteau. Allez. Voilà, c'est rapido. Allez. Meurs, meurs. Impeccable ça. Mode qui pète un plomb. Par contre, elle commence à être triste, la pauvre. Et là, toujours rien. Nous avons toujours rien. Allez, il y a beaucoup de monde en bas. Toujours pas de véhicule. Et là, oh, une tache de sang. Toujours pas de briquet non plus. Il me faut un briquet, hein, parce que... Sans clope. Ça va pas être pratique. Bonjour. Je t'ai entendu. Non plus, tu ne fumais pas. Alors, bonjour. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec une gomme? Oh. Oh. Le guet-apens. Laissez-moi partir. Alors là, par contre, ça, c'était vache. Ça, c'était vache. Vous n'avez pas le droit de faire ça, là. Et si vous me donnez un briquet, je vous pardonne. Sinon, je vous pardonnerai jamais. Allez. Mourez. Tombe. Meurs. Et on prend un point d'arme contendante. C'est bien ça. C'est cool. Ils m'ont fait une belle frayeur. Là, il n'y a rien. Il n'y a toujours pas de briquet, quoi. Ni d'allumettes. C'est un... une ville sans fumeur. Bonjour. Est-ce qu'il reste encore une personne, éventuellement? Personne à qui, avec qui discuter? On a déjà frôlé la mort. Il y a une grosse lampe. Oh, allumette, vite. La pile. Là. Pillon. Eh, fume ta clope, tu l'as bien mérité là.
Par contre, il faudrait qu'on les tue pour passer la nuit tranquillement. Allez là! Ouvrez-moi ça là! Dépêchez-vous! Oh oh! Mode retour au tuyau. Elle qui était si bien armée. Eh bah dis donc. Elle se montre la petite Maud là. Je lui meurs. Impeccable. Si j'ai pas été voir à l'étage. On va aller voir à l'étage de suite. On va fermer. On va fermer derrière nous. Je sens bien cette maison. Je sens le sac à dos. Oh, oh. Oh, des guitares. Dra. Ok. Oh, très bien, il n'y a rien, très bien. Shirt, peignoir, corset, pansement, rasoir, brosse à dents, drap, titi, non. Là. Non. Incroyable ça. Donnez-moi un sac à dos. Vraiment rien. Là, il n'y a pas de pièces. 14h30. On a le temps de se faire une autre petite maison. Alors avant, je vais annoter tout ça. Là, on a fait... tout ça. Vers le bas... on va se faire ce petit groupe là. On peut pas se permettre de les garder en vie. Allez. Tombez, chacun votre coup. Chacun un coup, les gars. Ne vous battez pas, vous en aurez tous un. Bon, on l'a entendu, lui. Et on a trouvé un briquet, c'est cool. Toi, tu n'as rien. C'est qui l'avait? C'est toi. Petit briquet. Petite carte. Oh, on a notre sac à dos. On a notre sac à dos. Viens là, en plus, t'es tout seul. Oh, pourquoi tu tapes dans le vent comme ça? Allez, sac de transport, porté sur le dos, tout de suite. Voilà. On a un sac à dos. On peut enfin mettre des choses dedans parce que là, ça commence vraiment à devenir lourd. La carte. Ça. Ça, on va le lire, on va le ranger. Bon, c'est un départ très, très coriace, très, très difficile. Par contre, on n'a plus de planche là, on n'a plus rien. On peut pas vite fait se récupérer une planche. Ouais, c'est barricadé là aussi. Ah non, il nous faut une scie. Il y a que les portes qu'on peut défaire, je crois. Porte et tournevis. Marteau et tournevis.
Allez, démonte ça à moi, vite fait. Mais c'est cool, franchement. Non, non, t'as rien récupéré, c'est très très bien. Continue comme ça. Oh là 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 là. Une autre porte là en bas, éventuellement. Pareil. Rien. Et lance, on peut en mettre une autre là-dedans. Barre en métal aussi. Par contre, on se charge. Il y a tellement de nourriture. On a pris tellement de nourriture, on va pouvoir se débarrasser un petit peu. Des piles, on peut les mettre aussi. La lampe torche, pareil. Les vitamines, on peut en mettre un. Le yaourt, tu peux le manger. Ça, tu peux le lire vite fait. Ça, ensuite, tu peux le regarder. Voilà. Tu l'as regardé, tu pourras la jeter. Antidouleur, hop. Les allumettes, hop. Le couteau, hop. Et tu es toujours lourde. Bandage. Ça, tu l'as lu. La lampe, ici. Un petit ménage de printemps. Vitamine, pour l'instant, tu en as pas besoin non plus, voilà. Là, tu peux manger. La lance, tu en as pas besoin là-bas. Voilà, beau petit ménage de fait. Niveau poids, on perd encore. On est à 98 zombies. C'est très bien. C'est très très bien. Ça, là-dedans. Et puis, on va arrêter là pour ce premier épisode. En espérant qu'il vous ait plu. En espérant qu'il t'ait plu. Je t'invite à bombarder la barre des pouces bleus. T'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à la prochaine. Porte-toi bien. Prends soin de ta famille. À la prochaine. C'est Devil. Ciao, ciao.